Salut les gars, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais jouer en NL 1K et NL 500. Je crois que ça va vous plaire. On est parti. Ici, je vais raise extrêmement cher. On joue contre un créatif, Kalimp, j'ai ISO. Check flop, check turn. Il bat uniquement half. S'il avait genre 4-5, 3-3, il aurait size up. Donc, je vais directement faire un super gros size. Chico, je pense que je vais jam. Roi 8 suité, je vais fold. Et sur l'As, on n'a pas besoin de jam. Je pense que j'ai tout le temps la meilleure main, il va avoir de temps en temps, genre A7, A6, une petite main comme ça. Mais globalement, je m'attends toujours à la meilleure main. Je pense que ça va être mieux de bet genre 12, non 11, allez. Ah, pas évident, je pense que je vais bet 12. Il aurait call 10. Là, il y a un petit peu denté, il y a 1.5 au milieu, en plus. Ah, ça va être dans le call ça. Ça va être dans le call. J'avais essayé mais ganté, mais c'était pas cette forme dentée là. 5-4 ici, on va check. Dame des suités, je vais open. Un peu plus loose, mais c'est pas très fort, donc ça me va. Je vais check back contre lui. Je vais jouer mixé sur ce board, donc check back c'est bon. En gros, ça va être du. Un peu plus que de tiers, half principalement, de tiers aussi. On va plus tier, genre Dame 8-2, Dame 5-6, si on peut connecter, on a envie de tier. 5-4, on peut jouer ça en call, on peut directement la prendre en raise. Il me semble que lui m'a vu ultra agressif hier, donc je vais pas prendre cette main. Mais si en vrai, là, si on check raise bet-bet, on met une énorme pression. C'est faisable, mais je préfère avoir en plus de d'équité. Genre 5-6, ça va être meilleur. Dame 2, quand tu fais ça, j'ai toujours la meilleure main quasiment, je raise. Je préfère une trop chère non plus, je vais faire genre 9.7, ça me semble bien. Théoriquement, on a plus un call, mais je vais pas call quand les mecs sont trop unbalanced sur la size et il n'y a pas assez de main forte dans le small. Ici. 5K suité. Sur la part de rec, pas très fort. Donc, en plus, j'ai un free check back ensuite, c'est parfait. C'est vraiment un coup de move, hein. Si les gens trouvent être pas assez, et, genre, bluff la river. Bluff la river. Et 5 et 4 maintenant. Je pense qu'on challenge Polar qui bet cher. Check, j'ai pas envie de bet. Donc, ça sert à rien. Peut-être je peux faire fold genre H8, 3-8 shoot, mais ça change pas grand chose. Et ici, ouais, malheureusement, je peux pas avoir du bet. En vrai, qui est capable à 5x, on peut limite jam, faire fold les genre Queen 9, Queen 10. En vrai, c'est marrant, je vais checker quand même. 3-6. Okay. Fold. En vrai, attends, ça m'attend. Non, je prends une fold. Ouais, après, hein. Après, hein, mais il va être tellement cher. En plus, genre, s'il réfléchit, j'ai vraiment une tonne de sets. J'ai aucun intérêt de bet quand ça va être juste cher. Ça va être trop de give up, genre roi 10, roi valet, cher. Je vais fold. Si j'aurais des sets. Je vais même pas les bet, mes sets. Ou alors, je les bet genre 2, même. Je vais faire checker. C'est fine. Ici, on a 3 bets. Quand des antés, on peut faire plus cher au niveau des 3 bet size en position. On s'est fait call par Big Blind. Ok. Je pense que je vais. Vraiment, bête pas très cher, genre 7, je vais barrel ici. Je pense à ce roi, ça va re-raise, du coup, il est genre capé as dame. C'est des games où les gens sont assez tight globalement, donc je peux multi-barrel. Et faire fold genre as valet. As dame, c'est tight. Maintenant, il y a as dame qui rentre, toujours plus as roi. Et ça range weak, genre as valet, as 10, ça va très souvent fold quand je barrel. En vrai, je pense que je vais. Ah, c'est vraiment close, hein. C'est vrai, ce que je peux faire sur ce spot-là, c'est genre check back, lui laisser bet genre as valet as 10, lui laisser bluff, et genre je raise river, ça marche bien. Et il check back, et là il recheck river. Un peu de slow play, je bats à peu près tout, genre les deux valets, deux neufs, je vais checker. Jam n'aura pas des plus, mais je pense que check clear. Ok, j'ai perdu 9, bonne ride. En vrai, c'est beaucoup avoir genre de 2 valets, de 10, de 9. C'est pour ça que je joue en bet flop, parce que je peux souvent 2 barrel. Si j'avais genre 19, je pense que là, je jouerais tout le temps en delay, parce que je peux trop bloquer les mains pas fortes. De mollet, je peux open. Vous pouvez faire des squeezes très loose. Enfin, les squeezes loose en position, c'est des plays qui marchent bien quand les gens sont trop faibles contre. Avec la blinde remontée, je pense que je vais payer. Plus le fait que c'est un joueur créatif, donc il va faire beaucoup plus d'erreurs que moi. Infiniment plus d'erreurs, même.
Ok, il bet half. Là, j'ai airball s'il te plaît. Et en plus, il m'a vu faire un gros raise. Donc, je vais pas. Ici, on a tout le temps en iso. Les limbs sont trop weak, de manière générale. Donc, raise une tonne. Et il n'y a pas assez de mid-raise. On a des limbs auto. Et flop, c'est check expressé. Essaye de passer la terre. Enfin, bref. Les gens ont trop le leak. Et les leaks qu'ils ont, ça fait augmenter votre relation d'équité. Donc, c'est toujours, toujours bien de la jouer en. On iso. Et flop, bon, je fais pas cher range, ça marche bien. 800 cop, j'ai open. La raison, c'est qu'il y a l'anté, donc on va open plus. Et là, je contre un joueur qui montre un call-call. C'est la deuxième fois qu'il le fait en plus, donc probablement un peu plus weak. Et je m'attends à ce que les adversaires plus weak en général, ils vont un peu plus fold la big blind et ils vont pas se trop bête. Et souvent, si vous allez sur mon cœur, qu'un solver pour près. Et vous faites une simulation avec pas assez de 3 bets, il va commencer à open vraiment beaucoup plus loose. C'est normal bien. Alors le petit chiffre que vous voyez, c'est le VPIP. Et des fois, il y a des VPIP restrictions. Et en gros, c'est des VPIP minimum à avoir, sinon on va pas. À cette shoot, je vais open. Au niveau des open, je fais 3x. En vrai, en termes de V, genre, on drop pas tant que ça. À part genre early pause. Mais genre, si vous faites 3x cut off bouton, c'est fine. Et en vrai, c'est mon size, je suis plus simple de size. J'ai pas paramétré mes boutons. Je suis un feignant. S8 tough versus 2.5. Je vais mettre dans le 3 bets. Très très peu pris, mais je vais prendre. En plus, le mec me connaît pas. En général, les 3 bets depuis la Big Blind, c'est un peu underbluff. Je m'attends moins de 4 bets que la théorie. Du coup, j'aime bien tout en prendre ça quand le mec me connaît pas. A7 ici, on va bet small, ça me semble bien. En théorie, on va jouer cher ou check. C'est plus un check, c'est genre demain. J'ai des blockers, trop blockers sur les folds et j'ai pas une bonne main à pareil. Suite off, on va mettre pas cher. Un tier, ça me semble bien. Du coup, c'est cool d'avoir ce genre de main là parce que par exemple, sur une dame en 10, ça me fait des bluffs. Il a call, turn vient un roi. On va check ici. Je pense pas que bet soit good. Le seul move qu'on pourrait faire, c'est genre half ou small pour laisser raise ses rois et bet très cher, mais moi j'aime pas trop. Le mec me connaît pas. Roi 5, on va 3 bêtes, je vais faire 12, je m'attends pas à cette 4 bêtes ici. Ensuite, est-ce que je vais barrel celui-là? Oh, ouais, non. Le trèfle est pas bon, 8 tucker c'est ok, mais c'est pas non plus incroyable. Je préfère avoir genre Asker, ou alors genre Ensuite carreau, comme ça je vais unlock les call fold. Quelques rares floats, parce qu'en vrai, Asdam carreau il call, Asker carreau il call aussi. Et A7 on va fold, s'il n'y a pas de bluff en perçu. Pas une bonne main pour raise, donc c'est un peu folle. Ok, il décide de half. C'est un bon size ici. Il veut reopen turn polar, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de bet entière. Genre, il veut pas bet AJ ici, donc c'est un bon size de sa part. 2-9, on va squeeze. On va faire quelque chose comme 14, ça va être mon size en standard. On peut faire 13, on peut faire 15. Pas une tonne de V qui change. Rodam, je vais squeeze très cher. Le seul truc, c'est que lui, il... Non, en vrai, je vais call. C'est des très bons spots de squeeze, hein. Là on fait genre 19, tout le monde fold, mais je pense que lui il a largement ses compétences pour re-raise une gigatonne, je préfère call. Et je vais du coup re-raise des mains qui sont close à fold. Typiquement là j'ai le levé à call, donc j'ai pas envie que ça, mon EV à raise soit vraiment très basse. Et du coup s'il y a une grosse différence entre le call et le raise, c'est une grosse erreur. Par contre si jamais j'ai des mains qui sont déjà close à call, j'ai plutôt pour les prendre en 3 bets. C'est comme ça que je vais jouer dans ce spot. Ok, bet half, c'est pas très strong encore. Lui le rabat c'est mon meilleur. Je pense que je vais juste raise genre deny slash value ici. Je vais raise genre 17. Ah c'est close en vrai. Je vais call, je pense que c'est un peu mieux de call. S9-8 il fait 14. Pas call ici. Toujours chiant de coller 3 bêtes dans l'inconnu. Surtout en 500 si vous jouez genre Wina 400-600, je call tranquille. Même 4 bêtes mais moi sur les... Des apps comme ça, je suis en peur. Là, j'ai perdu. Il bet 3 quarts en 2 joueurs. On a tué une queen. Du coup, il bet pas dame 10. Donc, il a genre as dame plus. J'ai perdu. On fold. Ok. Re-9 suité. On va bet half ici sur ce flop. Et S9, c'est un fold. On veut pas flat ça. On a un removal qui est trop mauvais. Même si range bet, c'est pas un call. Vous pouvez la regarder sur Wizard en plus dans le lock. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. S9 suité versus limp. On va la jouer en re-raise, on va faire... Ah, en vrai, lui, passif, qu'iso, c'est chiant. Plutôt call, du coup.
J'ai joué assez débalancé contre les deux joueurs créatifs. Je pensais pas que lui c'était un joueur créatif. Ouais. Alors après c'est fish tight, hein. C'est pas les fish de Winner. D'ailleurs je pourrais open Winner. As-9 suité. Du coup on va checker le flop, pas grand chose à faire, donc 3 jeux fold, c'est un peu trop abusé d'open ça. Ok, il bet half. Un peu chiant dans deux joueurs, je dois fold malheureusement. Donc là, S9 carreau bien sûr. Si bet small, je suis ok de la jouer en flat, parce que du coup, il y aura une range qui est plus mergée, plus de combos, plus de combos, plus de combos qui check turn. Et du coup, j'ai un bon bluff river, parce qu'il y a plein de run out, j'aurai pas beaucoup de bluff en perçu. Mais S9 futé, c'est trop... pas trop faible. As dame off ici contre small blind et big blind. On est sur roi, dame, pardon, roi, valet 9, tout à pic. Et ici, je pense qu'on va la jouer en... Franchement, on peut faire les deux. Petite préférence pour le check. Et le bet avec l'as de pique. Ou alors je bet genre... moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Je vois, je bet brelan. Je vais bet des genre paires plus gros aussi. Comme ça, quand vient un pique, je peux avoir assez de bluff. Si je bet que l'as de pique, j'aurai pas assez de bluff sur mon runout. Je peux bluffer, mais ça me rend un peu moins... J'aurais pas un peu mon main force, c'est juste ça qui est chiant que check flop. Mais ça m'a l'air ok quand même. Parce que les ranges qui double check sont quand même vraiment weak, donc vous avez beau rien représenter, les gens ils vont quand même fold. Je sais pas ce qu'ils sont trop weak. Point intéressant en bas à gauche que j'ai pas vu. Ça a dû être bet, overbet. C'est un bon size d'ailleurs, Riva. Il va probablement avoir overbet. Et en vrai, c'est tout. Genre overbet 3 quarts, parce qu'il a quand même des 8-6 qui peut pas overbet. Mais ouais, il va 8x 3 quarts. Si jamais la river c'était genre en 2, en vrai il aurait que l'overbet. Parce que la seule range qui va lui bet c'est flush. Et quand vilain a flush, il n'y a pas assez de combo de flush chez lui pour uniquement défendre flush. Donc du coup il va devoir l'épuiser dans ses buff catcher. Donc fait de l'argent avec la value region ici. Ah, overbet, c'est pour ça qu'on overbet flush. Et il y avait flush contre 10. Okay. C'est pas un moco le 10. Ça unlock les jack 10, queen 10, one ear. Donc c'est la pire main à call. Après, c'est la pire main à call théoriquement. Si jamais elle a un read sur le mec et du coup il veut call, bon, pourquoi pas. Paire de 3, on va la jouer en fall versus open 4x. Ok, valet 9 suité, on a open. Call SB, call big blind. Du coup, je vais le mettre en fiche. Hein. Fiche, genre plutôt avec fiche quand même. Mais... je vais la bet flop ici. Alpha, c'est bien. Ouais, les deux folles. En vrai, c'est des bonnes textures à bets ici, avec ce genre de main-là, parce qu'ils vont raise tout le temps leur main meilleure. Et quand ils call flop, ils ont trop de good shots qui vont call et bluffer river. Donc, on peut la jouer en half si le mec raise fold. C'est pas comme si on avait beaucoup d'équité, genre contre la range de... qui check raise en value. Donc, c'est pas... ouais, c'est ok. Écoutez, on va la jouer en call. Ok, flop roi, roi 10. Bon, il doit range bet, je dois fold. Rien à faire. Là, il doit peut-être avoir un peu de half en théorie, mais la plupart des gens ils vont juste en tirer range, ce qui est complètement ok. Et pas grand chose à faire, 8-6, ça reste en fold. On peut défendre genre des jack 8 suités, comme ça on peut avoir assez de bluff sur genre des certains en arc, genre en 9, une dame, mais pour le coup, sinon, cette main-là c'est trop dose. Nouvelle table ici, As-4 off, on va iso, je vais bet pas très cher, on va bet 3. Ici, on a squeeze extrêmement cher. C'est très dur pour lui de bien jouer contre ses size. C'est vrai que j'ai squeeze assez loose en position, parce que genre E2 ils peuvent rien faire. Et là versus mon squeeze, si j'over squeeze, il doit vraiment re-raise une gigatonne, c'est très compliqué à faire. Surtout quand il a pas d'informations sur ma range squeeze. Donc je suis ok. As-4 ici à la turn. Ouais c'est close, je pense qu'on a assez d'équité pour bad bet ici. J'aurais quelques flush draw, mais il a mis beaucoup de temps avant de call. Je pense un peu moins de flush draw. Je vais jouer en bet alpha. 9-4 suite, je vais jouer en flat. C'est un mix entre un call et un 3-bet. Durant 40-50% de 3-bet dans ma range. 8-7-8 versus open 3x. On va fold. Fais un peu gaffe au VIP restriction. Si j'ai pas envie de PIP au-dessus de 20, au bout de 50 mains, je pars de la table. Bon, forcément, il raise, c'est pas marrant. 4-9-8, c'est le moins que je joue en cher ici. On va avoir du cher et du small. On va call en turn, du coup, on n'est pas très content. River en plus, on va voir ce qu'il fait. En vrai, quand je peux avoir assez de carreaux, si il bet cher, ça va être très très tendu. 4-9 futé, j'ai une des pires mains à continuer maintenant. Je vais me bloquer les call fold. En vrai, non, c'est pas vraiment vrai. En plus, je vais avoir peu de bluff maintenant. Je pense que je vais la jouer en chercher. Mauvais bloqueur, mais je vais quand même la bet. Ah, 43, c'est trop souvent.
Ah, 43, c'est trop strong. C'est un lag, genre, quand j'ai tous les deux As, 10, je les vois pas, on me fait 16. Après, c'est vrai que sa value region, c'est très narrow. Genre, ça va être des genres Roi-Valet carreau, Roi-Dame carreau, 8-7 carreau. Mais c'est pas évident de trouver les buffs non plus chez un joueur avec pas de soucis, donc je vais dire chaud. Chaud buff. Lol, petite provocation qui montre. As-4, je vais fold. Ok, As-10, je vais open. On monte pas. Et 9-4 shoot, je vais la mettre dans le bet river. Un bet alpha. C'est très dur pour lui avec tous ces genres Roi-10, Roi-Valet, même Roi-Dame. Roi-1-carreau. Il a encore genre des 2 As, As-3 sans carreau, donc jamais on bluffe. C'est ça que j'aime bien bet cher ce genre de main-là au flop, c'est que du coup river il est vraiment dans la sauce. J'aime bien downsize, parce que du coup j'aurais plus de 8x aussi. On perd moins contre flush et 8x. Ok, As-10 turn. As-10 turn, je check. Et 9-4, il l'a, bien joué. Oui, bluff, au choix. Il a encore les As-Dames, As-Valet les carreaux, avec un carreau. Jamais on bluff ici. Ok, Dame-Valet on a ISO. Il a call. Je vais mettre Mipo directement au flop. As-10 versus Po, je vais pas fold. Flop, on peut jouer en cher. C'est ok d'avoir un peu small, c'est principalement du cher. Tiens, on doit jouer en overbet ou check, principalement. Et As-10, c'est la threshold ici. Je préfère la mettre dans le check. Là, c'est commencé à être très, 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 très chiant. J'ai le droit d'avoir une tonne d'As-6 qui a check call. Vraiment pas bluff ce size. Ah, c'est vraiment chiant. Le truc, c'est que là, en value, il rêve vraiment genre exclusivement As-6, exclusivement As-4. Ouais, c'est vraiment dur. Hein. En plus, 10 de pique, ça bloque genre Jack 10 et compagnie. Je pense que je vais fold. Bien joué s'il bluff. Je dois pas bluffer là, ce spot. 3 de carreau. Ça peut être 3 et 4, hein, qui sait. Non, je pense qu'il bluffait, mais. Trop chiant de coller 10. Genre, en fait. Si je colle As-10, As-2 c'est meilleur. En vrai, c'est rien normalement. Sinon, on peut aussi jam, mais vu qu'il est bête polar, qu'il rep full plus, j'ai pas envie de jam ça. Et le 10 de pique va lock tous les genre Jack 10, Queen 10, genre 1 spade et genre 10 spade. Donc en fait, j'ai le pire As-6 pour call. Du coup, théoriquement, ça va être fold. Et ouais, je suis ok. Les 3 de carreau, c'est un bluff du coup. Il avait 3... Il a fait fold dans split quoi? Non, c'est vraiment la... C'est pas bon de faire fold dans split. Non, faut qu'il bet 20 et qu'il me target mes calls moins bons. Parce que le problème, c'est que genre là, si je fold les splits, ok, mais enfin, je call que 4x quoi. Du coup, bon, je vais pas fold tous les As en plus donc. Ok, mais du coup, ça avait l'air d'être un mec qui voulait faire fold dans split.